Dans ce livre, Lecture de Saint-Aume, je propose tout à la fois une réflexion sur ce qu'est le Saint-Aume, quelle est sa nature, comment le comprendre et comment traiter le Saint-Aume. Et en même temps, Lecture du Saint-Aume est une lecture détaillée avec toutes les explications du texte et des figures de ce séminaire 23 de Lacan consacré au Saint-Aume. Le Saint-Aume est compris dans un sens médical comme quelque chose dont il faudrait se débarrasser. Et en psychopathologie, la médecine classique nous offre une série de substances anti-symptômes, anti-dépression, anti-psychose, anti-angoisse, qui ont pour seul but d'effacer, de faire disparaître le symptôme. La psychanalyse avec Freud propose tout autre chose. Elle propose de faire apparaître le symptôme, apparaître le conflit inhérent au symptôme, car le symptôme est lui-même un compromis, compromis entre deux forces contradictoires. Ainsi, par exemple, une force qui nous pousse à exprimer des tendances sexuelles et d'autre part une force qui empêche l'expression de ces sentiments sexuels, le surmoi qui tente à cacher et à refouler cette sexualité. Le symptôme est cependant bien plus que ce dont il faudrait se débarrasser ou qu'un conflit que l'on pourrait analyser et résoudre. Le symptôme est riche de toute une structure humaine que le lacanisme classique a organisé avec l'imaginaire, le symbolique et le réel, en le nouant dans le nœud borroméen. Cependant, le symptôme est bien autre chose que ce nouage borroméen, car il contient en lui-même quelque chose qui ne va pas, qui ne se noue pas, qui échoue à rencontrer ces trois dimensions humaines et à les nouer de façon heureuse. Le symptôme est ainsi une faille dans cette structuration de l'humain. Une faille, mais en même temps autre chose, car là où est la faille, là où est l'erreur, là où est le ratage, là est aussi la possibilité de répondre à cette faille, de répondre à cette erreur, de réparer l'échec. Et le symptôme est ainsi compris dans ce mouvement qui va de la faute à la réparation de la faute, à quelque chose qui va créer une nouvelle richesse humaine à partir de cette faute. La lecture que je propose de ce séminaire 23 de Lacan est cependant original en ce sens qu'il ne s'agit pas du tout de dresser un catalogue des différentes figures que peut prendre le symptôme. Au contraire, il faut bien comprendre, et c'est là une lecture tout à fait dynamique que je vous propose dans ce séminaire, il faut bien comprendre que chaque figure n'a de sens que pour les autres figures en lesquelles elle peut se transformer ou se développer. On ne peut pas comprendre une figure du symptôme indépendamment de toutes les autres figures qui s'articulent à elle en même temps. La lecture du symptôme est donc une lecture dynamique qui suit au fond le mouvement même du symptôme, car le symptôme n'est pas une chose statique, c'est une chose toujours en mouvement. Et le lecteur est ainsi invité à rentrer dans ce mouvement propre au symptôme, ce mouvement propre au symptôme qu'il va devoir lui-même développer à partir de sa lecture. La lecture du symptôme nous invite ainsi, non pas à considérer le paysage du symptôme comme quelque chose qui nous est donné, mais à fabriquer nous-mêmes notre façon d'aborder le symptôme, d'aborder le symptôme en le pensant, et ce sera une nouvelle façon de penser, d'aborder le symptôme en l'écrivant, et ce sera une nouvelle façon d'écrire, d'aborder le symptôme en donnant un nouveau sens à la philosophie, et d'aborder le symptôme en donnant un nouveau sens à notre écoute et à notre pratique psychanalytique
pourvu qu'elle puisse suivre dans le détail du symptôme, dans le détail de l'écriture, dans le détail des petites figures qui se transforment les unes en les autres, le détail de ce mouvement qu'est le symptôme et que nous devons suivre pour pouvoir l'écouter et par là créer quelque chose de nouveau.